60 et pour toi le 60, alors il faisait pas 60, hein, il faisait 56 ou quelque chose comme ça. Mais pour toi le 60, comment tu trouves le MTR 60? Moi j'ai trouvé magnifique, rien qu'au niveau des paysages, commencer par la montagne, c'était extraordinaire. Et finir par les petits villages avec tous les enfants qui nous encouragent, c'est juste magique. Ok. Et j'imagine que c'est pas la première fois que tu fais un ultra. J'imagine que tu en as déjà fait. Quel type d'événement tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà dans les tuyaux? À vrai dire, c'était mon deuxième 60. J'en avais déjà fait un en Bretagne, en France, sous la pluie. Ouais. Et là, t'es pas venu avec ton menhir? Non, pas du tout. J'étais trop lourd. J'ai peut-être porté parce que j'ai eu du mal à finir. Mais... D'accord. Et donc, c'est ton deuxième ultra ou troisième ultra, c'est ça, dans la catégorie 60, j'entends? Deuxième. Ok. En tout cas, bravo. Bravo d'être venu. Merci. Je vois que ça te plaît parce qu'il est encore sous la tente. Et c'est ça qui est génial. Eh, hey, monsieur, il est à côté de moi, mais je vais pas te louper non plus. Toi, t'as fait combien hier? Le 60. Le 60 égal, igual. Attends, je sais plus quel temps que je parle, igual, français, espagnol. Et pour toi, comment t'as ressenti, tes ressentis exactement, comment t'as trouvé? Moi, c'était la première fois que je faisais une distance au-dessus du semi, parce que j'avais fait qu'un semi juste avant. Ouais. Donc, c'était la première distance de la première 60. Et plutôt bien, au final, j'avais les gens, je pense, pour faire encore 10 ou 20 de plus, je pense, à la fin. Donc, ça s'est super bien passé. Vous voyez, comme disait Alan, le paysage, les enfants sur le bord des routes, c'était vraiment super. Donc, en fait, tu reviens l'année prochaine pour repasser à la catégorie supérieure, les 80 km, hein, on est d'accord, hein? Peut-être, ouais, si ça tombe bien. Inch'Allah. Inch'Allah, exactement. Voilà, on vous accueille d'une manière sur la vallée des High Bookness, avec grand plaisir. La vallée de des High Bookness, la vallée heureuse, et je crois que vous avez compris un petit peu le sens un petit peu de tout ça, de tout ce qu'on met en place. Allez, je vous laisse, reposez-vous bien et amusez-vous bien. Allez.
bonjour, je m'appelle Eric Beach, j'habite à Casablanca. Je fais pas mal de courses et de trails à travers le Maroc. Et donc c'est la quatrième fois que je participe à Morocco Trail Race. C'est une très bonne organisation qui nous fait découvrir plusieurs régions du Maroc, notamment Zaïd Bouguemez que je ne connaissais pas du tout. Et le parcours nous a permis de rencontrer, de voir des paysages merveilleux. C'était vraiment sublime, très joli, de la neige, bon parcours, bien fléché. C'est vraiment une très bonne organisation. C'est Isabelle Mühlberger, donc je viens de France mais je suis allemande de nationalité. Je fais le 21 km, donc catégorie femme, j'ai fini première et puis voilà, c'était un super parcours. Et difficulté, bah, y en avait une petite bosse qui était sympa, mais voilà, ça s'est très bien passé. Et puis même dans les villages, c'était un très bon accueil et c'est un très joli coin. Et merci pour l'organisation, merci pour tout ça, c'était vraiment super. Donc je pense que je reviendrai l'année prochaine, mais sur une autre catégorie, donc la 30. Je m'appelle Azouz Mohamed, je suis un passionné de trail. J'aime bien participer des trails à travers le Maroc. Je suis ici dans la région de Aït Bouguemez pour la Morocco Trail Race. C'est la quatrième édition. C'est des amis qui m'ont invité à venir ici. La région, je la connaissais parce que j'ai déjà fait des randonnées à travers la région. On n'est pas très loin du Mont Mbun. Le parcours, bon, j'ai fait un 30 km aujourd'hui parce que je reprends la compétition suite à ma participation au Marathon des Sables. J'ai participé au Marathon des Sables au mois d'avril, donc j'ai eu une petite pause et là j'ai repris un petit peu la compétition. Alhamdoulilah, ici je suis dans une région vraiment magnifique. D'ailleurs, je tiens à remercier les autorités locales pour tout le travail qu'ils ont accompli lors de ce trail. C'était vraiment magnifique, le parcours était vraiment superbe. Moi, j'encourage vraiment tous les Marocains et même les trailers de l'étranger à venir ici participer avec nous au Morocco Trail Race. La course était vraiment, vraiment magnifique. Voilà.
mattina e sono italiana, ma è da 3 anni che vivo in Marocco. Sono venuta qua con la famiglia della mia amica ed è stato il mio primo trail. Ho fatto una corsa di 10 km e il paesaggio è bellissimo. Ho avuto un po' di difficoltà a respirare, però mi sono divertita un sacco, poi l'abbiamo fatta insieme e vorrei ringraziare tutta l'organizzazione di aver preparato questa corsa. È stata una bellissima esperienza. Alors, je m'appelle Rémi Brouard, bien sûr, je viens de France, j'ai parcouru 100 km. J'ai l'habitude surtout de faire des courses longues distances, pas forcément des trails d'ailleurs. Je fais d'autres types de courses comme des 24 heures sur circuit, 48 heures, jusqu'à 6 jours. Et en course nature, comme ça, j'ai fait jusqu'à 330 km. D'accord. Et alors, comment vous avez trouvé le parcours par rapport à ce que vous faites d'habitude? Alors, joli, mais exigeant. Et pas facile du tout, faut reconnaître que, voilà, quoi. Je suis d'ailleurs assez surpris de ma performance. Parce que, bon, vu la configuration du terrain, je pensais faire mettre beaucoup plus de temps que ça. Voilà. D'accord. Et au niveau du paysage, alors, bon, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment, c'est difficile à faire mieux, quoi. J'ai envie de dire, la nature nous gâte, là. Surtout ce que vous avez vécu en trail, vous classerez parmi... parmi les plus belles que j'ai vues, parce que, bon, le paysage, l'organisation aussi est top, l'accueil des gens de la vallée, alors là, n'en parlons pas. C'est presque gênant, tellement ils sont gentils avec nous. J'ai envie de dire, des fois, ça touche trop, quoi. Alors, je m'appelle Manon Savournin, donc j'ai couru les 10 km aujourd'hui avec mon amie Martina. Et donc, j'ai trouvé que c'était un beau parcours. Il faisait une bonne température, il y avait assez de dénivelé, c'était sympa. Par contre, j'étais blessée, donc j'ai eu un peu de mal, mais j'ai bien aimé. Cet endroit, il était super. Nous, on logeait juste à côté, donc c'était pratique. Et l'organisation, elle était super. D'ailleurs, je remercie tout le monde parce que c'est une super ambiance. Bah, nous, on est venus ici en famille, comme d'habitude, donc il y avait un esprit familial. Donc c'est ce que j'aime bien aussi quand je fais des trails. En tout cas, merci à tout le monde, à toutes les associations et à la Morocco Trail Race, c'était super.